toga wata kiko uba kiri wata buki donko. Kaba no tase makipuna. Mali tuta udmishka. Chikospa ini gudad iji gliska chanagawa. Je suis le commandant en chef Franz de la République. C'est un honneur de parler à quelqu'un qui a accompli autant de choses pour notre cause. J'ai lu les rapports sur Corellia. Très impressionnant. Vous avez renversé le cours de la guerre. La République a déjà envers vous une dette infinie. Mais je vous appelle car nous avons de nouveau besoin de votre aide. L'Empire tombe en ruine. Quelle menace peut-il encore représenter ? Ne sous-estimez pas l'Empire. Nous avons déjà fait cette erreur, et Coruscant a pratiquement été détruite. Vous êtes un Jedi. Je suis sûr que vous connaissez le monde glacé d'Illum, l'une des sources principales de cristaux de sabre laser dans la galaxie. Les dernières forces de l'Empire ont envahi Illum en masse. Nous avons envoyé des renforts, mais ils sont débordés. Pour son dernier sursaut, j'attendais de l'Empire qu'il s'attaque à un monde un peu plus peuplé. Illum n'est pas une cible comme les autres. C'est un pillage pur et simple. L'Empire compte dépouiller la planète. Les cristaux d'Illum sont uniques. Et l'Empire a trouvé un moyen de les utiliser pour amplifier la puissance de ses systèmes de camouflage. Avec assez de cristaux, ils pourraient constituer une armada invisible. Une flotte entière, capable de frapper les mondes de la République sans prévenir. Puisque l'Empire manque d'hommes pour envahir des planètes, il compte les détruire à la place. Darkaro mène l'assaut, et il préférerait détruire la planète que la voir vivre libre. Nous ne pouvons pas laisser ces cristaux tomber entre ses mains. Rendez-vous sur la station spatiale en orbite autour d'Illum, aussi vite que possible. Une navette vous emmènera à la surface. Nous utilisons le Temple Jedi comme quartier général de fortune pour nos opérations. Retrouvez-moi là-bas pour un briefing complet. Terminé. Le commandant Rance m'attend au Temple Jedi. Je peux vous dire qu'il n'y est pas. Les troupes de Darkaro ont capturé le temple. Le commandant Rance et les autres ont failli y passer. Il a dû installer le poste de commandement sur un terrain non sécurisé. Si vous voulez parler au commandant Rance, je peux vous y emmener. Montez à bord et cramponnez-vous bien. Ça va secouer un peu. Bien, vous voilà. Comme vous pouvez le voir, toute aide sera la bienvenue. Permettez-moi de vous présenter nos alliés. Maître Boudin des Jedi et les commandants Karwar, Jiyandar et Yejub. Non, Karwar. L'attaque du temple a pour but de nous éloigner du véritable objectif de Darkaro. Comme les négociations de paix nous ont aveuglés avant le pillage de Coruscant. Il reste des secrets dans le temple qui valent la peine d'être gardés, commandant. J'ai enfermé les archives dans la chambre forte du temple pendant l'attaque. Il leur faudrait des jours pour transpercer les portes en dur acier. Haro n'est pas là pour les archives. Il veut les cristaux d'Illum. Ils utilisent des foreuses pour creuser au cœur de la planète. Les forages laissent des trous gigantesques. La planète entière devient instable. Si nous ne les arrêtons pas, Illum pourrait littéralement se briser en deux. Mem amgap kugap, kramanik, umka kiga mayamak. Dès que vous neutraliserez une mine, contactez-nous et nous enverrons des renforts pour garder la zone. Cette base n'a pas l'air très sûre. Vous et les autres commandants devriez peut-être vous retirer dans l'un des vaisseaux en orbite. Impossible. Le meilleur endroit pour superviser nos troupes, c'est ici, à la surface. Nous restons. Arrêter les foreuses ne suffira pas. À moins de localiser le poste de commandement impérial, ils trouveront un autre moyen d'extraire les cristaux d'Illum. Bonne idée. Après avoir désactivé chaque foreuse, téléchargez le registre du terminal de chaque mine. Apportez toutes les données à l'agent Sam Bradbear, au centre de communication pour analyse. Le sort d'Illum est entre vos mains. Que la force soit avec vous. Agent Bradbear, j'ai les données de tous les terminaux des mines. Vous faites du bon boulot, vous, les Jedi. Rance a bien fait de vous confier cette mission. Je vais le contacter pendant le déchiffrage de ces données. Ici le commandant en chef, Rance. Je suis avec Maître Boudin.
Est-ce qu'on connaît l'emplacement du centre de commandement impérial? Je viens d'obtenir les coordonnées. On dirait que les ordres venaient d'une petite base impériale au sol. Le SIS y est déjà intéressé, mais il n'a pas dû la trouver assez importante pour en faire une priorité. Avec toute la planète assiégée, Haro savait que les services secrets de la République ne s'attarderaient pas sur une si petite base. Je doute que Dark Haro s'y trouve. Les rapports du SIS indiquent qu'il aime se tenir à l'écart pendant que quelqu'un d'autre agit sur le terrain. Il a certainement confié le pouvoir à son apprenti. Le seigneur Loyat est aussi cruel et impitoyable que son maître. Le SIS a des documents sur elle. Plutôt douée avec un sabre laser. Elle a tué au moins une dizaine de Sith lors de son passage sur Korriban. Et elle n'a jamais été punie pour ça. Haro protège Loyat. Leur relation dépasse le cadre du maître et de l'apprenti. Si on capture Loyat, peut-être qu'on pourrait l'utiliser comme monnaie d'échange contre Dark Haro. Dark Haro est rongé par le côté obscur. Dès qu'elle ne lui sera plus utile, il la rejettera. Vous pouvez essayer de l'arrêter si vous voulez. Mais si elle meurt, elle ne me manquera pas. Une fois la base neutralisée, faites votre rapport à l'agent Bradbert. Bonne chance. C'est terminé, Seigneur Loyat. Je ne sais pas comment vous m'avez retrouvé, mais vous n'auriez pas dû venir ici. Vous n'avez aucune idée des souffrances que vous allez subir. Je suis l'apprenti personnel de Dark Haro. Ceux qui entendent le nom de mon maître tremblent de peur. Je ne vois votre maître nulle part. Il n'y a que vous et moi. Vous ne savez rien de mon Dark Haro. Il incarne tout ce que le Conseil Noir représente. Sa colère est légendaire. Maître, venez me rejoindre. Ensemble, nous détruirons ces vermines de la République. Dark Haro! Vous m'entendez? C'est moi, le seigneur Loyat. Maître? Vous êtes là? Votre maître ne viendra pas. C'est entre vous et moi, et vous ne pouvez pas remporter ce combat. Déposez les armes, et vous serez traité équitablement. Haro m'a peut-être abandonné, mais je maîtrise toujours le pouvoir du côté obscur. Arrêtez! J'abandonne. J'abandonne! La base est sécurisée. J'ai besoin d'une unité pour emmener le seigneur Loyat en détention. Mais Dark Haro a toujours prétendu que le côté obscur était plus fort que le côté lumineux. Il a juré que l'Empire l'emporterait toujours sur la République. Il m'a menti. Il s'est servi de moi. Et il m'a trahi. Je ne suis qu'une idiote. Vous voyez enfin la vérité. Vous devez toujours payer pour vos crimes contre la République, mais il n'est pas trop tard pour changer de voie. Merci. Vos paroles me réconfortent. Quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps. Emmenez-la en détention. Je dois partir. L'agent Bradbert m'attend. Prenez tout ce que vous pouvez emporter. Nettoyez-moi tout le reste. On y va. Départ dans 5 minutes. Que se passe-t-il ? Les troupes d'Haro viennent d'attaquer notre poste de commandement. Lourdes pertes des deux côtés. Nos hommes les ont repoussés. Mais les Impériaux ont capturé le commandant en chef Rance. Jian Dar a donné l'ordre à tout le monde de rejoindre le poste de commandement. Je dois retourner à la base. Prenez votre matériel et allez-y. Jian et les autres voudront vous parler. On sera derrière vous. Si nous attaquons le temple, Dark Haro pourrait tuer le commandant en chef. Nous avons déjà perdu le commandant Jubb. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre Rance également. Mem Amgab Kugab, Kramanik, Umka Kiga Mayamak. Pourquoi pensez-vous que les Impériaux ont capturé Rance au lieu de le tuer? Ils savaient qu'on se montrait les uns contre les autres. Vous avez raison. Nous devons rester calmes. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a que la paix. Alam Giga Akapa. Salutations, commandant de la République. Mon nom est Dark Malgus. J'ai peu de temps, je serai donc bref. J'ai fourni au commandant en chef Rance des informations pour lui permettre de vaincre Dark Haro.
Je suis ici pour en faire de même avec vous. Je ne tiens pas à me faire avoir. Je suis pragmatique. Je sais que nous avons perdu la guerre. Si nous luttons encore, vous nous détruirez. Je l'accepte. Contrairement à Haro. C'est un membre du Conseil Noir, mais c'est une brute. Le Conseil a besoin de quelqu'un de plus souple. Si l'Empire espère survivre. Quelqu'un comme vous, j'imagine. S'opposer ouvertement à Haro mettrait le Conseil Noir en colère. Mais en vous aidant à l'éliminer, nous obtenons tous ce que nous voulons. Dites-nous comment vous comptez nous aider. Haro pense que Rance travaille avec quelqu'un au sein de l'Empire. Évidemment, je tiens à ce que mon rôle dans tout ça reste secret. Ils détiennent votre commandant en chef dans une prison secrète. Des tours de défense et des droïdes encerclent le périmètre. La moindre brèche déclenchera l'alarme. Je vous envoie l'emplacement de la prison et les codes pour désactiver les alarmes. Utilisez-les comme bon vous semble. Ça peut être un piège, mais le jeu en vaut la chandelle. Kamperem ganyam badiyam. Maniki kumbukam. Nous pouvons faire confiance à Malgus pour une raison. Il agit par intérêt. Il déteste Darkaro plus qu'il ne nous déteste. Nibaga klamka. Gakyam. Glagnimu amya galak. Umnuk inu nemnu. Amka aka memperlak palak. Je sais que vous travaillez avec quelqu'un au sein de l'Empire. Donnez-moi le nom du traître. Désolé. Je ne suis pas doué avec les noms. Je me rappelle plutôt des visages. Vous pourriez peut-être me montrer des hologrammes. Il existe 9 niveaux de souffrance que nous pouvons infliger. C'était le 3e. Ne l'oubliez pas avant votre prochaine réponse. Écartez-vous du commandant en chef Rance, tout de suite. Vous avez tué le seigneur Loyat. Vous allez payer cher pour m'avoir pris mon apprenti. Vous l'avez abandonnée quand elle vous appelait à l'aide. Elle devait faire ses preuves. Elle connaissait le prix de l'échec. Maintenant, vous allez voir ce qu'il en coûte de me défier. Détruisez-la. Vengez la défaite de Loyat en la faisant hurler de douleur. Je vous dois la vie, comme tous les autres ici. Chuba uno bunko, chino manata. Ils ne peuvent plus rien vous faire. Ils ont déjà fait assez. Attendez, c'était quoi? Quelqu'un descend le couloir. Haro a dû envoyer des renforts. Nous n'avons pas d'armure, pas d'armes. Vous allez devoir les retenir pour que nous puissions nous échapper. Te beska kukape ma watabo. Vous avez réussi à vous en sortir. Uniquement grâce à vous. Je ne sais pas comment vous remercier. Mon ordre a juré de défendre la République, commandant. Nous serons toujours là quand vous aurez besoin de nous. J'aurais juste préféré ne pas avoir à faire appel à vous si souvent. Mais mes troupes ne peuvent généralement rien contre les seigneurs noirs. Je reçois un appel, commandant. On dirait que c'est votre ami impérial. Heureux de vous voir en bonne santé, commandant en chef. Avec vos manettes, Dark Haro se fait du souci. Il donne l'ordre à ses vaisseaux de se poser à la surface d'Illum pour les équiper de prototypes des systèmes de camouflage. Le champ de bataille n'est pas sécurisé. Poser des vaisseaux à la surface nous donne une chance d'éliminer toute sa flotte. Seulement si vous savez où les trouver. Haro sait que quelqu'un au sein de l'Empire travaille contre lui. Il garde l'emplacement des pistes d'atterrissage secret. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne vous recontacterai plus. Haro devient méfiant. Logique. Dès qu'il y a le moindre risque pour lui, notre allié nous abandonne. C'est un serviteur du côté obscur. Sa propre sécurité sera toujours sa priorité. Il y a peu d'endroits sur Illum où un vaisseau plus gros qu'une navette peut essayer de se poser. Il nous suffit d'éliminer ces pistes d'atterrissage.
Si nous pouvons détruire les vaisseaux déjà au sol, personne d'autre ne pourra se poser. Karwar et Jiandar ne sont pas là. J'imagine qu'ils dirigent les troupes contre les cibles impériales stratégiques. Ce qui signifie que la mission me revient. Une remarque intelligente et exacte. Je n'ai personne d'autre. Je vais vous donner l'emplacement des pistes d'atterrissage. Utilisez ces grenades ioniques sur les vaisseaux au sol. Vous arrivez juste à temps. Nous discutons de notre plan pour l'assaut final. Les troupes impériales se sont réfugiées dans le temple Jedi. Dark Arrow refuse de se rendre. Il sait qu'il nous faudrait des semaines pour franchir les défenses impériales et récupérer le temple. Heureusement, il y a un autre moyen. Un tunnel souterrain de secours construit il y a des siècles. Vous devrez vous infiltrer dans le temple par le tunnel de secours, pendant que nous attaquerons les impériaux à l'extérieur. Et notre homme infiltré, il va nous aider ? Aucune nouvelle. Malgus semble avoir disparu. Mais au moins, nous savons que ses partisans n'aident pas Arrow. Je connais bien le temple. Si vous ouvrez la voie, je pourrai diriger une équipe de Jedi pour capturer les sites stratégiques, comme les dépôts d'armes. Sans les Jedi de Maître Boudin, nos troupes subiront de lourdes pertes. Mais il pourrait nous être utile de mettre la main sur le matériel militaire. Je ne vais pas sacrifier des vies juste pour mettre la main sur quelques armes impériales. Alors nous attaquerons les partisans Sith de Dark Arrow, pendant que le reste des troupes affrontera les soldats impériaux. Et le soutien aérien, commandant. Les pilotes sulustéens attendent avec impatience de venger Yedjub. Je partage leur peine. Mais le temple abrite de nombreux artefacts irremplaçables qui ne survivront pas à une série d'attaques aériennes. C'est à vous de voir. Votre mission d'infiltration du temple sera bien plus compliquée sans soutien aérien. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver les enseignements et les trésors des grands maîtres Jedi. Vous avez entendu le Jedi, Bradbear. Dites aux Sulustéens de rester au sol. Entendu, commandant en chef. Voilà l'emplacement du tunnel de secours menant au temple Jedi. Allez-y maintenant. Je vous mettrai au courant de l'évolution du combat. Bonne chance. J'aurais dû me douter qu'ils enverraient un Jedi pour récupérer le temple. Vous avez peut-être remporté la bataille pour Illum, mais la guerre est loin d'être terminée. Vous pouvez vaincre l'Empire un millier de fois. Nous nous relèverons toujours. Tant que la République sera menacée, les Jedi seront là pour la défendre. Peut-être, mais sans vous. Votre mort sera une source d'inspiration pour tous ceux qui servent l'Empire. La victoire est à nous. Tous les impériaux d'Illum se sont rendus. Mais cette victoire nous a coûté cher. Le nom de tous ceux qui ont donné leur vie pour Illum ne sera jamais oublié. Je sais qu'en tant que Jedi, vous n'attendez aucune récompense. Mais j'aimerais vous offrir quelque chose pour tout ce que vous avez fait pour sauver les artefacts du Temple Jedi. Kalam Jemrani Naya. Nemkiri. Commandant, vous me recevez ? Je viens d'intercepter une communication de Dark Malgus. Nous n'avons pas encore fait assez pour lui. Je dirais qu'on a fait beaucoup. Écoutez un peu. J'ai intercepté ce message diffusé à travers tous les canaux de communication impériaux standards. Amis Sith, citoyens de l'Empire, pendant trop longtemps, la force de l'Empire a été gaspillée en querelles internes au sein du Conseil Noir, coûtant la disparition d'un empereur apathique. Sith, enfants de Sith et guerriers, où que vous soyez, je déclare la création d'un nouvel Empire, où conquête, levée des interdictions et passion seront les maîtres mots. Je me doutais qu'il nous trahirait, mais c'est différent. Le Conseil Noir est dissous. À tous ceux qui voudront me soutenir en rejoignant Dark Serevin, abandonnez vos titres et laissez-moi vous mener à la victoire. Les autres,
préparez-vous à affronter mon armada invisible. L'empereur est parti. Sa station et son pouvoir m'appartiennent. Nous conquérons la galaxie pendant que l'empereur dort. Il voulait qu'on élimine son plus grand rival pour s'emparer du pouvoir. Je sais que je vous ai déjà demandé énormément, mais nous devons éliminer Dark Malgus. Et vite. Les Sith se poignardent dans le dos à la moindre occasion. Si nous attendons patiemment, un des siens l'éliminera. Pas tout de suite. Vous avez entendu le message. Malgus a le soutien de trop de seigneurs Sith. Et une fois qu'il aura assis son pouvoir, son armada invisible défiera la République. Il faut l'éliminer avant qu'il y parvienne. Je dois rencontrer nos chefs militaires. Équipez-vous pour le combat et rejoignez vite notre réunion. Le sort de la galaxie est en jeu. C'est ce que je voulais entendre. C'est l'Empire que vise le Sith, pas nous. Dark Malgus a juré de tuer tous les Jedi et les citoyens de la République. Vous vous rappelez le Temple Jedi sur Coruscant ? Je me sentirai mieux quand il sera mort. Maître Jedi, bienvenue. Vous pourrez peut-être nous aider avec notre plan d'attaque. L'Empire de Malgus n'en est peut-être qu'à ses débuts, mais nous ne devons pas sous-estimer sa puissance. Nous l'avons suivi jusqu'à la station furtive de l'Empereur. Malheureusement, il a quitté Dromunkas et a disparu dans l'espace. Commandant, les forces de Dark Malgus envahissent Illum. Ces vaisseaux sont sortis de nulle part et ces soldats attaquent les deux camps. Déployez tous les soldats disponibles. La République ne perdra pas cette planète. Malgus a dû envoyer des chasseurs furtifs de son armada. Ce qui signifie qu'on peut en voler un. Bien sûr. L'ordinateur de bord d'un chasseur de commandement devrait contenir les coordonnées de la station spatiale de Malgus. C'est notre meilleur plan. Voler un des vaisseaux et un bon pilote saura suivre le plan de vol jusqu'à la base de Malgus. On ne sait pas combien de temps les vaisseaux furtifs resteront sur Illum. C'est juste. Appelez Cantarus. Votre chasseur est prêt, commandant. Changement de programme, Cantarus. Notre maître Jedi a besoin d'aide pour emprunter un chasseur furtif et le mener à la station spatiale de Malgus. Éliminer Dark Malgus ne sera pas une mince affaire. Je suis prêt depuis longtemps. La République vous remercie, Cantarus. Préparez-vous au combat. Il vous déposera sur la ligne de front. Une fois à terre, il n'y aura plus que deux armées entre vous et le chasseur furtif dans le fort de Malgus. Je sens un pouvoir obscur approcher d'Illum. La personne qui mène cette invasion sera bientôt là. Que la Force soit avec toi. Une beauté, pas vrai ? Modèle d'attaque CEC modifié, en provenance directe de la collection personnelle du commandant en chef. Je vais l'approcher au maximum, mais je devrais vous laisser quand les canons anti-aériens deviendront menaçants. De là, on restera en liaison et je fournirai un appui aérien. J'ai besoin de votre aide pour récupérer ce chasseur furtif, Cantarus. Je suis content de pouvoir aider. Et puis, n'importe quel prétexte est bon pour arrêter de protéger la législature. Bouclez votre ceinture et accrochez-vous. Dark Malgus va voir à qui il a affaire. J'avais prédit votre arrivée, mais j'espérais qu'on aurait plus de temps. Vous avez prédit autre chose ? Vous affrontez mon amour. Il y a un survivant. Qui ? Je ne sais pas. Ça suffit, très cher. La force bouillonne en vous.
L'empereur Malgus l'avait bien dit. En ce moment même, mon assassin est en train de livrer un message au Conseil de guerre de la République. Vous avez échoué. Qu'est-ce que votre assassin est parti faire? En deux mots, ce n'est pas prudent de réunir vos plus grands dirigeants dans un lieu si vulnérable. Vous ne pensez pas, très cher? Oui. Quelle concision! L'une des nombreuses qualités des Vos. La République comptait s'emparer de leurs ressources. Mais l'empereur Malgus respecte la force des Vos et les a invités à rejoindre le Nouvel Ordre. Votre maître Sid vous livre à Malgus en échange de plus de pouvoir, c'est tout. Il ne nous trompe pas. Tal Sako est une mystique. Bientôt, elle aura la vision d'une Vos épanouie avec l'empereur Malgus au pouvoir. Et tous les Vos nous rejoindront. J'ai vu. Vous combattez Dark Serevine. Je m'incline devant le vainqueur. Dans ce cas, je vais réaliser votre prédiction au nom de l'empereur Malgus. Aujourd'hui, les Vos pleurent la disparition d'un grand homme. C'est Dark Serevine qui m'a forcé. Sa mort était un mal nécessaire. Merci. Ici Cole Pantarus. Bravo pour le chasseur furtif. Mais en ce qui concerne l'attaque du commandant en chef, ça explique leur silence radio. J'ai besoin de vous ici au plus vite, mais il faut d'abord s'occuper des autres alliés de Malgus. Qu'est-ce que vous en dites? Épargnez-nous, et mon peuple rejoindra la République. Montrez aux partisans de Malgus que la République sait faire preuve de clémence. Cole, allez-y gentiment. Pas de problème. Ma famille vous remercie. Espérons que les autres aliens seront aussi reconnaissants. J'espère que vous parviendrez à trouver le commandant en chef. Tout le monde va bien? Maître Jedi, j'ai essayé de vous contacter. Malgus a tenté de nous tuer. Nos gardes ont arrêté l'assassin de Dark Serevine. Mais ils n'ont pas pu neutraliser sa bombe. Dark Serevine voulait tous vous tuer. S'il avait réussi... Merci, mais nous ne devons pas laisser cette tragédie nous écarter de la mission. Cole nous a dit que vous aviez saisi le chasseur furtif de Dark Serevine. Comme on le supposait, l'ordinateur contient les coordonnées de la base cachée de Malgus. Malheureusement, elles sont codées. Au lieu de perdre des jours à les déchiffrer, nous avons trouvé une solution rapide. Nous avons équipé le chasseur furtif d'un émetteur. Cole vous emmènera à la station de Malgus et la flotte de la République vous suivra. Mobilisez la flotte, commandant. Je mènerai l'assaut contre Dark Malgus. Mène notre flotte à la victoire, maître Jedi. Rejoignez Cantarus. Il vous mènera à la station de Dark Malgus. Puise ta force de ta rencontre avec les enfants de l'Empereur. Que la Force soit avec toi. J'ai entendu parler de ce qu'a fait Serevine. C'est tout simplement horrible. Mais ce sera encore pire si nous n'arrêtons pas Malgus au plus vite. Quoi qu'il arrive là-bas, sachez que ça aura été un honneur de combattre à vos côtés, Maître Jedi. C'est un honneur. Oui, bon. Mettons-nous en route. Réacteur amorcé, émetteur fixé. Nous pouvons partir. Prochain arrêt, la station spatiale de Dark Malgus. Je n'avais pas tenu compte de mon avertissement, Maître Jedi. Mon holo-message disait que le noyau énergétique était réservé au collectif du schisme. Je n'ai peut-être pas été assez clair. Ceci est le son de mes canons à fusion réduisant en cendres un de vos bâtiments de ligne. Vous voulez que je recommence ?
La technologie du collectif du schisme pourrait profiter à des millions de gens. Mais vous, vous vous contentez de servir la folie de Malgus. Malgus nous permet d'exprimer tout notre talent. Je vais vous montrer encore une fois. Cette station de combat est la plus grande merveille technologique de la galaxie. C'est à des génies anomides au collectif du schisme qu'on la doit. Interjection. Silence, tas de viande. C'est... Mais... Des améliorations. Déclaration. Je suis HK-47, commandant de la fonderie et exterminateur personnel de l'empereur Malgus. Mon maître m'a activé prématurément afin d'éliminer l'être organique de la République. Il ne faut pas en venir à la violence. Avertissement. Mon maître veut votre tête. Je la lui apporterai entre autres parties de votre corps. Scientifique, tenez-vous à l'écart. Protocole d'assassinat engagé. Il va marcher, bon sang! Allez! Mes belles machines, détruites à cause de vous! L'empereur Malgus va être furieux, il va rogner le collectif du schisme, ou pire, à moins que vous ne parliez de nous à la République. Désactivez les boucliers de la station et je parlerai de votre coopération au commandant en chef. Bien sûr, ça ne va pas être facile, mais je suis plutôt doué. Collectif du schisme, ici Arkis Vod. Évacuez la station spatiale et rendez-vous à la République. Nous n'avons plus rien à faire ici. Et pour célébrer cette nouvelle alliance, je vais programmer un tir de nos canons à fusion sur l'armada furtive. Plus que quelques minutes... Approchez, Maître Jedi. Assistez à la destruction de votre flotte. Même sans les canons à fusion, mes chasseurs furtifs écrasent votre pathétique armada. Bientôt, l'échec de la République sera total, et plus rien n'empêchera l'avènement du nouvel Empire. L'Empire vous tuera pour cette trahison. La République, elle, peut vous offrir sa protection et une place pour vos idéaux. Vous parlez sans savoir, Jedi. Alerte. Désactivation des boucliers. Défense de la station inactive. Arkis Vod, bien joué. Jetez vos armes et je rappellerai la flotte. Vous surestimez vos chances de succès. Alerte. Sécurité désactivée. Autodestruction du noyau énergétique enclenchée. Cette station va exploser et détruire toute votre flotte. Et des décombres de feu, la toute-puissante République naîtra un nouvel empire. Vous ne sacrifieriez pas cette station si vous pensiez survivre. Je suis le seul à pouvoir stopper le cycle de destruction. Tuez-moi, et votre flotte est condamnée. Venez, montrez-moi la puissance de votre République. Et alors, elle a attrapé le sabre laser de Dark Malgus et s'en est servi pour couper le trône de l'Empereur en deux. Incroyable. Maître Jedi, Cole vient de nous émerveiller en racontant comment vous avez vaincu Dark Malgus. Votre admiration me touche, mais Cole n'a même pas assisté au combat. J'ai sans doute enjolivé un tout petit peu la réalité. Ne vous en faites pas, Cole. Avec ou sans vous, cette victoire deviendra mythique. Venez,
Nous avons beaucoup à célébrer. Le faux empereur a été détrôné. Dark Malgus n'est plus. C'est un honneur. C'est un honneur pour moi et pour ce conseil. Comme toujours, la République doit poursuivre ses efforts. Notre flotte a besoin de réparations. Et nous devons récupérer un maximum de la station détruite de l'Empereur. Mais avant tout, l'héroïne de la République mérite nos éloges. De fait, profitez de cette victoire et de la paix qui s'ensuit.